Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer l'abscisse d'un point dans une demi-droite graduée. Alors, qu'est-ce que c'est que l'abscisse d'un point? L'abscisse d'un point, c'est le nombre qui correspond à l'emplacement du point dans la demi-droite graduée. Prenons un exemple. Ici, vous avez une demi-droite graduée qui commence en 0. Ici, on a l'unité. Et on va avoir le point A qui se situe ici. Alors, si on regarde bien, l'unité a été coupé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parts égales. Et donc, on va avoir des dixièmes. Donc, finalement, l'abscisse du point A, on pourrait dire que c'est 1, 2, 3, 3 dixièmes. Alors ici, on pourrait donner, en fait, l'écriture décimale de 3 dixièmes, c'est-à-dire 0,3. C'est d'ailleurs ce que je vais faire dans les autres, pour les autres points. Le point D, on est à 2 dixièmes de moins que l'unité, c'est-à-dire on est à 8 dixièmes, donc en écriture décimale 0,8. Le point C, c'est donc 1,1 et le point B, 1,3. Il suffit juste de compter les petites graduations. Prenons la deuxième demi-droite graduée. Alors, cette demi-droite graduée-là, elle commence en 0, mais le 0, il est loin vers là-bas, donc on n'a qu'une partie de la demi-droite graduée. On est entre 12 et 13, donc on repère quand même l'unité qui est découpée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parts égales encore une fois. On a des dixièmes. Et donc ici, on va avoir 12,1. Lui, 1, 2, 3 dixièmes, 12 unités et 3 dixièmes, donc 12,3. J'ai 12,5. Normalement, le point G, c'est le milieu entre 12 et 13. Et H qui fait donc 13,1. Maintenant, pour le point Y, on ne va pas pouvoir déterminer son abscisse de façon très... comment dire on ne va pas pouvoir déterminer son abscisse de façon très précise parce qu'il n'est pas sur une graduation de la demi-droite graduée. Et donc, on va pouvoir donner un encadrement de son abscisse puisque le point Y, il est entre 12,7 et 12,8. Regardez, ici j'ai le 12,7 et ici j'ai le 12,8. Et donc l'abscisse du point Y, on peut l'écrire comme ceci, est comprise entre 12,7 et 12,8. Et donc, on a donné bien un encadrement de son abscisse. Si son abscisse, on l'appelle, mettons, on l'appelle petit y, son abscisse, eh bien, on a y qui est plus grand que 12,7 et qui est plus petit que 12,8.